Bonjour à tous. Malgré les nombreuses petites côtes répertoriées sur le parcours, les sprinteurs ne devraient pas se faire distancer aujourd'hui. Avec leurs équipiers, ils mettront sûrement tout en œuvre pour que le peloton arrive groupé. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ça s'anime en tête de peloton. L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Il s'est construit une belle réputation de puncheur, le breton Cyril Gauthier, grâce notamment à son tempérament offensif. Pierrick Fédrigo est un bon puncheur. C'est un coureur d'expérience aussi, qui compte notamment à son palmarès un titre de champion de France, 4 victoires d'étape sur le Tour de France et un critérium international. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Les coureurs arrivent au pied de la première côte répertoriée de la journée. Il y aura 2 points et 1 point pour les 2 premiers au sommet.
Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez Thibaut, allez, vas-y Thibaut. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert. C'est lui le mieux placé au classement des grimpeurs dans l'échappée. L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général.
Merci, Alberto. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Allez Pierre. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Allez les gars, courage! Vas-y Thibaut. Allez, pistolet.
L'échappé perd du terrain. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Vas-y Romain ! Allez Gisèle ! Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui te permet de faire la différence en fin de course. Étape de plaine. Pas étonnant qu'elle ne passe pas en entier la télé. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint.
Enzo. Allez, allez. Le prochain Grand Prix de la montagne est répertorié en troisième catégorie. Alors il y aura 2 points et 1 point pour le classement du maillot à poids. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Les prochains Grands Prix de la montagne sont tous classés en quatrième catégorie. Il y aura donc 1 point à empocher au sommet de chaque côte.
L'échappée perd du terrain. Romain, t'es pas fou. Allez, tu vas. Les hommes de tête entrent dans la zone de ravitaillement. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez Pierre. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée.
C'est le mieux placé au général d'en échapper. L'échappée perd du terrain. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert.
qui fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Peloton roule fort, restez bien placé. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. C'est lui le mieux placé au classement des grimpeurs dans l'échappée. Vas-y Thomas, allez. Rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Vas-y Burrito. Allez les gars.
plus rapide au sprint dans le groupe de tête. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. On est à 15 km de l'arrivée et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappés. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Allez, vas-y,
athlètes ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. 30 secondes d'avance pour la tête de course. De l'arrivée pour la tête, ça va être compliqué. Pendant le sprint, essaie de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Plus que 5 km, on se dirige vers un sprint massif. À moins de 3 km, c'est maintenant l'emballage final qui se prépare. Les poissons pilotes sont en place et les sprinteurs ne vont pas tarder à passer à l'action. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Oh.